Ça va, merci. Avec cette chaleur. Ça va. Avec ce travail bénévole depuis 2 ans. Je veux préciser que Morgan, depuis presque 2 ans, il n'a pas touché aucun salaire. Parce qu'à l'époque, il touchait une petite somme de salaire. Voilà, heureusement qu'il travaille ailleurs de temps en temps. Ça va, Morgan? Oui, merci. Alors, tu avais un message à partager. Oui, je veux dire à tous mes amis que je suis très fier à ma fille Morgane. Je veux vous remercier toutes et tous de vos interventions sur le radio ici maintenant. Je veux venir de mon ami Didier Doplèche, qu'ils ont essayé, la famille et les proches, de le fermer, mais nous avons subi énormément de problèmes. Mais nous l'avons gardé debout, cette radio qui va rester. Et il est devenu actuellement même international. Nous avons écoute formidable dans le monde entier grâce à l'Internet satellite. Voilà. Et autre chose que je veux dire juste au départ, pour être très facile d'écouter la radio ici et maintenant, vous pouvez dépenser 29 euros seulement. Vous achetez une boîtier chez Amazon. Chez Amazon, Alexa. Vous commandez Alexa à 29 euros. C'est l'appareil. Vous le réglez, vous branchez à l'électricité. Il est trop petit comme un orange, comme un pomme. Vous le branchez à votre électricité et vous le réglez avec votre téléphone portable. Après, c'est pas la peine que vous allumez votre téléphone portable ou je ne sais pas quoi pour écouter la radio ici maintenant. Chaque fois, vous êtes à l'étage, dans n'importe quelle chambre, vous ramenez Alexa avec vous, cet appareil, il est branché à l'électricité, ou vous le laissez fixe, et vous dites, Alexa, radio, ici et maintenant. Et la radio va commencer à lire, chanter, danser, parler pour vous. C'est très facile. Vous payez 29 euros, c'est éternel, vous avez l'appareil, comme votre télé, comme votre poste de la radio. Autre chose très importante, avec ça, vous pouvez tout faire. Vous dites, Alexa, réveille-moi demain matin à 6 heures. Et demain matin, à 6 heures, il va vous réveiller. Vous dites, Alexa, réveille-moi demain matin à 9 heures avec la radio ici et maintenant. Et il va vous réveiller avec la radio ici et maintenant. Vous dites, Alexa, je vais être réveillé demain à midi avec une chanson de Demis Roussos. Il va faire ça. Vous voyez, c'est très intéressant, cet appareil. Prenez-le, installez chez vous. Après, la voix que vous le donnez, il va obéir à la voix, à la son que vous le donnez. Ce sera votre son à vous, au départ de l'installation. Celle de votre femme, vos enfants, vos amis, ce que vous voulez. Après, même votre enfant, il va venir dire, Alexa, raconte-moi une histoire pour les enfants. Et il va commencer à raconter une histoire pour les enfants. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un appareil qui est très intéressant. Une fois que vous l'avez, je vous donnerai plus des informations que vous pouvez utiliser pour vous et pour votre famille. Et ça vous facilite également, ça vous facilite d'écouter la radio. Et ce n'est pas la peine que votre téléphone portable soit toujours allumé, que la batterie ça s'épuise et tout ça. Morgan, ça c'était le premier message que j'avais donné à nos amis. C'est bien entendu, n'est-ce pas, Morgane? Oui, très bien. Moi aussi, comme certains auditeurs, quand ils sont en train de parler, il faut dire, Morgane, c'est vous? Vous êtes en train de m'écouter? Mais Morgane, il nous écoute. Il est toujours à l'écoute, il vous écoute. Deuxièmement, je veux remercier tous nos amis. Tous les amis qui nous écoutent, qui n'interviennent pas. Et tous les amis qui interviennent. C'est très intelligent votre intervention, vos interventions. Chacun de vous, vous donnez des informations qui sont très intéressantes. Je reçois des messages de nos amis francophones qui sont en Afrique, des amis francophones aux États-Unis, des amis francophones en Asie centrale, en Iran, en Tunisie, en Algérie, partout, qui admirent vos interventions. De n'importe quelle tendance que vous êtes, vos interventions sont très intelligentes et philosophiques. Voilà. Et je veux vous remercier. Bien sûr, je ne peux pas citer le nom de tous nos amis qui interviennent sur cette antenne, mais j'en ai quelques-uns dans ma tête, par exemple celle de Fatima. Fatima, c'est une fille, femme, et il s'appelle Fatima, mais ses interventions
quand, chaque fois quand j'écoute, c'est très intelligent. Abdel, c'est vrai que de temps en temps, il s'amuse avec moi. Il me connaît depuis des années. Mais quand il vient en ligne, il dit « Ah, monsieur, m'a donné un passi, vous voyez ?»« Ah, pardon !» Ça, c'est le trucage de toi, Abdel. Mais je t'aime bien, Abdel, tes interventions, que ce soit pour le compte, c'est très intelligent. Très intelligent. Emmache, Gérard, etc. J'ai pas tout en tête. Bernard, Spartacus, Sébastien, Samir, Mouloud, Malika, nous avons Princesse Malika avec nous. Gérard Michel, je te remercie de tous vos soutiens pour la radio, tous les petits de grands, c'est que tu envoies tous les messages de courage que tu envoies pour l'équipe de la radio ici maintenant, je te remercie beaucoup. Guy, Gérard, Amadou, Abdel, je dis Abdel, en plus, soyez à l'écoute parce que dans une minute, j'ai un message assez important à vous donner. Voilà, Léa, nous avons deux, même trois Léa, je vous salue les princesses Léa, Halle, Michel, Blanche, Denise, Hervé, Gabriel et beaucoup d'autres qui peut-être, j'ai pas en tête vos noms, mais vous voyez que je vous connais, même si je ne vous vois pas, je connais vos idées, je connais votre engagement envers d'une société laïque, républicaine, qui est anti-raciste, etc. Je vous adore, je vous admire. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est ça. Écoutez bien. Je vais vous proposer, parce que la radio, c'est votre radio. C'est-à-dire, je vais vous proposer que vous gérez les émissions. Comment vous gérez les émissions? Nous avons live en direct tous les jours de 14h à 19h presque. 14h, 19h. On va dire 17h, mais 19h. En plus, n'oubliez pas, puisque pour nous, sur FM, ça ne compte pas trop, c'est sur ici maintenant.com ou radioparis.net qui compte, puisqu'il parle des milliers, même une fois c'est arrivé à 1 million que vous nous avez écouté par mois. Et c'est ça qui est très intéressant. En plus, c'est ça que vos amis, vos familles, ils peuvent vous écouter dans le monde entier. Une fois que c'est votre radio que vous intervenez, vous donnez la référence de l'internet où Alexa il achète n'importe où à tout le monde et il pourra vous écouter. Il pourra vous écouter. En plus, je vous dis une chose, que vous soyez sûr et certain, moi, comme vous savez, avec la radio, avec mon ami Didier Dupleux, ça fait 40 ans que je travaille, ça fait 40 ans sur cette radio, mais à part de cette radio, vous le savez, je veux vous préciser, j'étais patron de la radio et je suis de télévision aussi depuis 40 ans, métro en persan, en arabe, en français, qui est accessible partout dans le monde, par satellite, mes émissions s'est diffusées, etc. Grâce à cette radio ici maintenant que j'ai commencé avec Didier Dupleix, mon ami. Alors, ce que je veux vous proposer, c'est ça. Chaque jour, et le soir également, dès 23h, sauf le samedi, dimanche, que peut-être samedi, dimanche, le 23h va être plus actif que l'après-midi. Alors, dès 23h, surtout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, à 14h, même après on va faire midi, après vous me dites les erreurs, que ça vous convient, vous voyez, vous pouvez donner vos erreurs et commencer à animer la radio. C'est tout. C'est-à-dire, c'est vous qui vous commencez à animer et proposer votre sujet. Vous allez vous préparer 15 minutes de parler. Après, tout de suite, vous dites, voilà, nous sommes là, moi, Morgan, les autres, pour faire le technique pour vous. À partir de chez vous, vous animez la radio. Après, les gens, ils ont des questions, ils vont vous poser. Si vous ne voulez pas parler avec les gens, vous venez juste à 14h ou à midi, après on va changer ou non, c'est à vous, hein. Vous commencez à parler, vous donnez vos idées, et c'est vous que vous devenez animateur ou animatrice de la radio. Alors ça, vous pouvez même réserver. C'est-à-dire, je vous donne un numéro portable, que vous le connaissez déjà, c'est celle de Morgane. Avec ce numéro, vous laissez des messages, parce que vous savez, il y a énormément des appels, peut-être pas qu'elle va vous répondre tout de suite, mais pas, oh, il est au travail, il est à l'antenne. C'est le numéro 06 18 18 09 99. Oui, 06
18 09 99. À ce numéro, vous allez nous appeler et laisser votre message. Vous dites, là, voilà, Morgan, moi, je serais intéressé d'intervenir 23 août à 14h, démarrer l'émission de la radio. Et juste à 14h, le 23 août, la radio est à votre disposition, vous vous appelez et vous commencez à parler. Et après, des choses que vous avez vous dites, après, si vous voulez que les gens ils communiquent avec vous, également ils vont téléphoner, patati patata. Je crois que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, c'est pas la peine de répéter, et puisque vous êtes très intelligente, cette radio, grâce à vous, dans ce bout de venir, outil d'enseignement, outil des informations correctes et régulées. Et on va y aller tout à l'heure. Les deux derniers intervenants, je veux parler de Mohamed et c'était Sébastien, je crois. Les deux interventions étaient très intéressantes. Surtout le moment que Sébastien il a parlé des bombardements des alliés, surtout les Américains, le moment qu'on voulait tuer les Asiens qui étaient en France. Alors quand c'est la guerre, hein. Quand vous bombardez quelque part, partout dans le monde, il y a des innocents aussi qui ont tué les Américains, les Alliés, quand ils ont commencé à bombarder les villes, l'armée nazie était présente, beaucoup de Français ont été tués, beaucoup de villes ont été détruites, de bâtiments et tout ça. Ce que Sébastien tout à l'heure il a évoqué, c'était très intéressant. Surtout qu'actuellement, comme vous savez, c'est souvenir de Charles de Gaulle, général de Gaulle, qui était un homme unique dans l'histoire de la France, comme Jeanne d'Arc, comme les autres. Charles de Gaulle était unique, et c'était un national, et Charles de Gaulle était un patriote. Charles de Gaulle, par exemple, vous pouvez faire des émissions, et des jours et des nuits sur lui, et ses idées. Ça, par exemple, c'était très bien ce que Sébastien a évoqué. Et Mohamed aussi. Mohamed, son intervention était intéressant, par exemple, au moment qu'il dit il y a la guerre de dollars avec la monnaie chinoise ou monnaie la rouge et tout ça, et cette guerre va patati patata à le nous, pourquoi nous allons participer dans cette guerre? C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Venez, parlez, exprimez-vous. Après, tout ce que vous exprimez, moi, j'ai l'exemple moi-même. Depuis 50 ans, surtout 44 ans que je suis en France, toutes mes idées, c'était placé dans le gouvernement, dans les décisions des présidents, des ministres, et tout ça. C'est-à-dire, si vous avez des idées, vos idées, ça peut fonctionner dans l'État, dans la fonctionnalité de l'État. C'est-à-dire, vos interventions, elles vont être enregistrées. Vous savez que nous sommes écoutés par CSA et par d'autres compagnies, d'autres instants. Dès qu'on trouve des choses intéressantes, ils vont noter, ils vont poursuivre. Ce n'est pas en l'air que vous parlez, quand vous parlez. C'est pour ça que je vous invite toujours, comme Morgan il dit, sourcez vos propos, donnez les sources concernant vos propos, soyez correct, soyez honnête, soyez philosophe laïque. Comme vous savez, spiritualité laïque. C'est David qui l'a inventé sur cette radio, spiritualité laïque. Après, tous nos amis, ils ont accepté, ils l'ont pris, qu'ils soient Michel, et qu'ils soient même Didier Duplège, mon ami, et beaucoup d'autres. Ils parlent actuellement de l'spiritualité laïque, comme islam politique, islam de France, c'est-à-dire les idées que vous donnez, soyez sûrs et certains qu'il va prendre place dans le gouvernement, qu'il soit français ou d'autres. Pour ça, c'est très intéressant vos débats. Les débats. D'autres exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, les deux dernières interventions, celle de Mohamed et celle de Sébastien, où lui, il parle des dégâts de la guerre, des Américains, patati. L'autre, Mohamed, qui parle que nous ne devons pas entrer dans la guerre de dollars avec le yen ou avec le rouble ou avec je ne sais pas quoi. C'est vrai que depuis des années, cette guerre froide existait entre l'Occident et Orient. Et Orient, c'était Union soviétique. Maintenant, c'est la Russie. Maintenant, c'est la Chine qui est leader. Mais
Et il a des poignets, des espions, des gens comme Poutine, comme République islamique d'Iran, comme Qatar, comme vous dites, comme beaucoup d'autres qui travaillent pour la Chine. Mais la Chine, il est très intelligent, il ne se montre pas. Alors, ce débat est très intéressant. Ce débat, vous pouvez le ramener à beaucoup d'autres débats. C'était deux exemples que je vous ai donnés. Alors, et dès ce soir, vous réservez votre place à partir de 14h avec Morgan. À 14h, qui va devoir intervenir, vous téléphonez, même si vous dites 2, 3, 4, c'est pas grave, un par un, Morgan il lui a dit, voilà, le premier à 14h, Abdel, Fatima, Gérard Michel, voilà, c'est ton tour, après 30 minutes, c'est quelqu'un d'autre, 30 minutes, quelqu'un d'autre, vous venez, toujours c'est comme c'est, vous animez votre radio, et toujours vous invitez vos amis de vous écouter. Parce que quand vos amis ils vous écoutent, eux-mêmes aussi ils peuvent élargir et dispatcher vos messages partout dans le monde. Vos messages vont toucher les pensées de vos amis aussi. Voilà Morgan, c'était ça un message pour vous, mes chers amis, toutes et tous, comme quoi vous êtes patron de cette radio. Vous, les animateurs, c'est vous. De maintenant, animateur, quand on dit auditeur et animateur, c'est la même chose. La vision de David Abbassi, c'est que vous soyez présente, même si je suis contre vos idées, patatine, n'ayez pas peur, venez, exprimez-vous. La liberté de l'expression, vous avez pu constater que sur cette antenne, depuis la création par mon ami Didier Dupleix, c'était respecté. On va le respecter également ici et maintenant pour toujours. Et venez sur votre antenne, intervenez, animez et commencez à animer vos émissions. Alors demain, cher Morgan, à 14h, on va voir qui va t'appeler pour prendre première place demain à 14h. Merci Morgan. Merci beaucoup, au revoir. Merci ma fille, au revoir. Bonjour. Au revoir. C'était David Abbassi à l'instant avec nous.